bonjour, bonsoir, c'est Rowan. Aujourd'hui on se retrouve pour la suppression de limite du mois d'août sur Bleach Souls. Je vais préparer mes teams, on se retrouve juste après. Allez, et à tout de suite. Et re-YouTube, et vous voyez, c'est instantané, c'est le pouvoir du montage. Incroyable. Donc bah écoutez, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo invocation sur le portail des... sur la partie 2. Voilà, le shaft, donc bon écoutez, j'ai essayé en respectant les codes et tout ce qu'ils nous disent, j'ai essayé de respecter ce que j'avais, hein, enfin les... ce qu'ils nous demandaient. Donc, alors, emplacement 1, tueur humain, attaque rouge, enfin rouge et attaque rouge, donc voilà, j'ai pris la ma chéro. Donc voilà, je n'ai toujours pas de cette prochaine gamme rouge, donc j'ai fait avec le Golden Yuki renforcé. Après on a, j'ai fait un mix entre du dégât et du temps de recharge. On verra bien ce que ça donne les gars, on verra bien ce que ça donne. Hop, donc voilà. Et donc pour le, pareil pour là, hein, je ne sais pas qui est le personnage qu'il faut. Un tueur requin violet. Donc voilà, bon je suis parti avec le Kaname. Il y a une autre solution aussi avec je ne sais plus qui. Faudrait que je regarde parce qu'il faut des dégâts bleus. Donc voilà, voilà hein, pareil, on garde le même principe. Pour l'instant on respecte les codes couleurs et enfin tueur vert, grémi, gelet, donc autant l'utiliser à mon avis. Donc voilà, bon bah écoutez, si vous n'avez pas les nouveaux persos, on va voir ce que ça donne. C'est parti mon Iki. Avant ça, je rappelle, bon pendant le temps de chargement, je rappelle que je suis en direct de Twitch, le lien est dans la description. Enfin je dis à chaque fois ça, mais ça se trouve, des fois j'ai oublié de le mettre. Donc voilà, n'hésitez pas entre du lundi au vendredi, entre 9h et midi, sur Twitch. Venez discuter un peu de Bleach, Red Souls. Alors il y a des fois j'aurais pas le goût, des fois et tout, mais bon vous savez, c'est les montagnes russes, on ne sait jamais. Alors, voyons ma Chiro comment elle se débrouille. Putain. Ouais. Voilà, du bon chocolat de ma Chiro. Ma Chiro. Pas la peine de Pekinder. Comme dirait Santana. Ouais. Même si Santana c'était le guitariste au final, hein. C'était pas le chanteur. On nous ment dans la pop culture. On nous ment. Les gars, on nous ment. Bon pour l'instant ça va les gars. A mon avis là où ça va être plus dur, ça va être à partir du moment où faudra... Vous savez, avec les mobs qui évitent et tout, en plus c'est des putains d'humains, de merde, d'enculés, de buggés, de merde, de Kelab, ils savent pas développer. N'oublions pas, hein, on va faire un jeu Kelab. Non, le problème de Bleach Brave Soul sur console, les gars, c'est que à mon avis, ils ont des serveurs pour, voilà. Les serveurs, ils sont pas assez bien pour pouvoir maintenir plusieurs types d'appareils comme ça. Et en plus, je brûle. J'ai perdu ma perfection, masque, Rayman. La perfection masculin. Bon. Donc ouais, donc malheureusement c'est bourré de bugs, de machins, des trucs comme ça et tout. Ils s'en foutent. Les joueurs s'en foutent. Y'a que moi qui râle en fait, j'ai l'impression sur BBS, tu vois, à cause des bugs et tout. Les autres joueurs j'ai l'impression que, bon, je sais pas, non, ça leur... Bon, oh, c'est normal, c'est pas grave, hein. On s'amuse sur Bleach, hein. Arrêtez de nous embêter, hein. Je suis le seul à me plaindre. Ah, ça va être maintenant la partie de rigolade, les gars. On va rigoler. On est dans la rigolade. Dans la rigolance, les gars. Dans la rigolance. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Aïe. Ah, c'est l'amusement fou. Ah là, je suis obligé de faire ma SP maintenant. Ma PSP, vous connaissez. PlayStation Portable, la PSP. Et en plus, voilà, il passe à travers les trucs et tout. C'est magnifique. Voilà. Bon, en même temps, ma Chiro, vous savez que j'aime beaucoup ma Chiro, hein. Mais bon, deuxième personnage, voilà. Sachez qu'elle n'a pas de... Je l'ai que SP1. Je n'ai pas de critique, je n'ai rien. Je n'ai pas de Golden Chapi pour pouvoir utiliser à son plein potentiel ma chérie. Oh ouais. Il me touche avant que j'ai utilisé mon truc quoi. C'est quoi cette merde. Putain mais regardez moi ça. Kelab ils s'en foutent. Ils savent que leur mob ils sont... Mais qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles Kelab. Y'a vraiment des pigeons qui payent sur ce jeu. Putain. Quand je pense qu'il y a des gens qui peuvent qui tournent en boucle sur ce jeu. Comment tu peux faire ça. Oh. Allez ta mère en string de guerre.
Jeu de merde. Oui, Blitz, c'est un très bon jeu. Il n'y a aucun souci. Pourquoi tu te plains, Evan? Si ça fait 9 ans qu'ils sont là, c'est normal, hein, voilà, ils font du bon travail, hein. Déjà, il y a des gens, ils passent 20 heures. Ils se lèvent à 3 heures du matin. Ils se couchent à 3 heures du matin. 24 heures de farm non-stop. Toute la journée. Mais comment ils font? Qui sont ces gens qui veulent? Qui sont ces gens qui vivent dans une boucle temporelle? Pour ne faire que farmer sur BBS. Qui a envie de farmer sur BBS toute une journée? Qui? Faut avoir rien d'autre à faire, les gars. Soit avoir rien d'autre à faire, soit aucun autre jeu à faire. Répétitif, 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 répétitif. Ah, je parle mal, hein, je parle mal ce matin. Hop. Allez, je sors mon ex. Quand je sors mon ex, je bois Kundrex. Quand je sors mon ex, je bois contre. Bon, voilà, voilà. Avec Rémi, évidemment, quand t'as des pouvoirs des tueurs holo plus into machin. Ben oui, évidemment. Évidemment que ça passe mieux. Hop. Aïe, 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 aïe. Moi aigri? Jamais. Jamais. Je dis les termes, c'est tout, les gars. Je dis juste les termes, les gars. Après, ne m'en veuillez pas, voilà, prenez pas ça comme des attaques personnelles. Bon, bah, je crois qu'on ira pas plus loin, les gars, hein. J'aurais fait de mon mieux. Quand je vois mon ex, je bois contre ex. Quand je bois mon slip, je vais goûter. Je sais pas, je dis de la merde. Je chante de la merde. Je chante de la merde. Ah bah voilà, bah c'est fini. Bon bah room 13, je crois pas que j'irai plus loin, les gars. C'est déjà un exploit. C'est déjà un exploit. Hop. Ouais, ce qui m'a fait perdre du temps, franchement, c'est les rooms. C'est les rooms spéciales là, avec les mobs qui esquivent ou qui ont plus de trucs, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, bon écoutez, je vais voir s'il y a moyen de faire une autre composition. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Oh YouTube. YouTube, YouTube, coucou. Alors, juste pour vous montrer un peu ce que j'ai en tueur humain rouge. Voilà, attaque bleue, attaque rouge, hein, peu importe. Donc, franchement, c'est vraiment pas ouf, hein, ce que j'ai. Là, je vais essayer avec la Riruka. Bonjour, je la build et je vous retrouve juste après. Et ray YouTube. Bon, écoutez, deuxième slot, je suis parti avec le Ichigo, hein, je me suis dit pourquoi pas. Donc, voilà, il aura pas la couleur, donc on va perdre x2 en dégâts, mais c'est pas le... On s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai équipé avec ce que j'avais de mieux, comme d'habitude, pas de 7 pour chez les gabis rouges. Là, je l'ai mis les deuxièmes sous le trait que de mieux que j'avais, je préfère les garder les numéro 1 pour Riruka. Et là, je garde Grémy, les gars, je garde Grémy. Mais si vous n'avez pas Grémy, je pense que les autres solutions qu'il faut tester, voilà ce que j'ai. A voir ce qu'elle vaut, la Roca, aujourd'hui, en Big 2024, ce que vaut la Roca. Là, une Ono Safui aussi, voir ce qu'elle vaut. Le Ichigo Kuzi, si vous l'avez doublonné, hein... Et pourquoi pas à la limite le Shuei, si vous l'avez bien doublonné. En plus il est nade. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais voilà. Si vous avez le Grémy, évidemment, bon c'est une autoroute que vous avez. Hein. Là, franchement. Voilà. Bon là franchement j'ai pas confiance. Hein, la team que j'ai créée. Bah oui, Grémy, Zuldik et Lanterre. Mais si vous l'avez pas. Et bah super, ouais, c'est codé un peu avec le cul. Donc ouais, donc voilà, tueur holo quoi. Si vous l'avez pas, faut bien faire avec... regarde-moi. Bon, j'ai rien, moi, et pourtant. Hop. Et hop. Ah, c'est vrai qu'elle se remet de la vie comme ça, la Riruka. La Riri, notre Riri nationale. Hop. Ah, par contre, bon, ça manque de fortification. Alors, attends. On va voir le Ichigo 8 ans. Le Ichigo 8 ans que j'ai tant décrié, les gars. Que je n'ai jamais aimé. Est-ce qu'il va me prouver que j'ai eu tort? Est-ce qu'il va me montrer que j'avais tort de ne pas l'aimer? Alors que c'est un très bon perso, en fait.
A mon avis, c'est mal parti cette run. Hein. Et regardez, moi, je suis pas gentil. Je vous fais des tests pour vous, les gars. Je fais des tests pour vous. Donc là, je devrais me barrer. Je devrais me barrer de ce jeu, de cette vie. Parce que la vie ne vaut rien sans amour. Qu'est-ce qu'une vie sans amour? C'est une vie de solitaire. C'est une vie triste. L'amour répandit sur tous les êtres humains. Nous vivons par l'amour. Nous tuons par amour. Bon, je sais pas pourquoi je suis parti dans un laïus là, ça n'a rien à voir. Allez. Grémy. Ah non, c'est pas Grémy, c'est Ichigo le nul. Ichigo le nul, comment on l'appelle dans ma région. On dit pas t'as Ichigo 8 ans, on dit est-ce que t'as Ichigo le nul. Bon, au moins il a un vortex pour crowd control. Tu vois. Mais il est nul, il est nul, il est nul. Avant qu'il soit sorti, il était déjà nul, les gars. Il est sorti aux 8 ans, hein. 8 heures plus 1, le jeu il était déjà nul. Ça y est, le jeu il était nul. Ah ouais, le perso il était nul. Il était déjà finito. Il était finito. Finito Marcelo. 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 Bon, bah, advienne que pourra, les gars. Cassez-vous. Je ne veux plus vous voir, bande d'humains. Bande de cancer de la terre. Et hop. Voilà. Alors là. Oh coco, oh coco. Oula, attends, est-ce que c'est les bons mobs ou... Ah d'accord, ok, putain, c'est les gros. It's the grow. It's the grow, comme on dit dans le pays. It's the grow. Oh ta mère en string de panthère. Tenez bande de gros. Cassez-vous. Je vais plus vous voir. Aïe aïe aïe. Eh c'est la galère les gars, je suis dans ma galérance. Je suis dans ma souffrance. Tu es dans ma galérance. Bon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des flouzous. Quand tu te bloques, putain, non mais regarde, c'est affreux, c'est affreux. Et je me demande en fait, si, ce qu'il y a, c'est que quand ils développent des persos, des trucs comme ça, je me demande si Kelab y joue à leur propre jeu en fait. Ça, je me demande s'ils y jouent. Ou alors pas du tout, tu vois. Est-ce qu'ils y jouent? Est-ce qu'ils testent leur jeu? Est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait des problèmes avec les humains? Ça se posait des questions, hein, ça se posait des questions, hein. J'imagine Kelab comme des grands méchants. Regardez, c'est con. Ça fait 9 ans qu'on leur sort un jeu tout bugué, ils s'en battent les couilles. Ah les pigeons, allez allez continuons à les pigeonner, on aime leur argent. Qui sont les abrutis. Ils se plaignent pas en plus. Mais chef, chef, on n'a jamais fait de top rentable sur l'Apple Store ou sur le Google Store. Ah ta gueule, c'est pas grave. On n'a jamais fait de... Ben justement, on n'a jamais fait de top rentable. Donc ils auront des serveurs pourris. On est maléfique. Ah moi je les imagine comme ça, Kelab. Bon bah écoutez, Riruka, ce n'est pas une bonne solution que vous avez vu. Si vous avez pas le nouveau perso, je sais pas qui c'est en rouge. Si vous l'avez pas, eh ben écoutez, prenez plutôt Mashiro en vrai. Au moins si vous avez Mashiro. Après Marie Ruka elle est pas full de. Elle est pas transcendée quoi, elle est que SP1, tout ça, tout ça. Mais je pense que pour la suppression des bits, ce n'est pas une bonne idée. C'est not a good idea. Mr. A, Mr. ID. Je sais pas c'est qui chante ça. Mais bon. Pas grave. Quoique le Ichigo, franchement, je lui ai craché à la gueule. Il fait du bien bon travail avec son crowd control, avec son vortex. Et quand je vois vortex, je pense à mon ex. Ouais non là ce qui m'a mis dans la panade en vrai c'est la Riruka parce que ouais non le Ichigo 8 ans SP2 il peut faire l'affaire là. Il peut. Non je lui ai mal parlé de lui mais avec son vortex franchement je pense que c'est peut-être une bonne alternative. Bon, on se retrouve, on change de truc. Hein. La Riruka plage là, slot 1. Compliqué.
Et hi YouTube. Bon bah écoutez, on est reparti sur du classico, hein. On a viré le Ichigo. J'ai remis la Massi. J'ai mis la Massi justement. Hein. Oh là, avec les accessoires, nanani, nanana. Donc voilà, j'ai essayé de faire un mix entre attaque et temps de recharge. Et on a repris la Mashiro. Voilà, parce que Mashiro, elle s'est révélée beaucoup plus puissante. Enfin, plus puissante. J'ai eu l'impression de qu'elle frappait plus que la Riruka plage. Et elle est que SP1, la Mashiro, si je dis pas de conneries. J'ai dit conneries ou je dis pas de conneries? Non, je dis pas de conneries. Yep. Et elle a de la paralysie, ce qui peut en soi aider. Allez, je pense que ce sera notre dernier essai. Après, comme je vous ai dit, essayez avec le Ichigo Quincy V2 pour le dernier slot. Faut que en soi, t'es pas obligé, hein, tu prends un bon gros tueur rouleau. Même si le Grémy, en vrai, ouais, le Grémy, ça reste la même meilleure solution. Hein. J'espère que vous l'avez droppé, les gars. Yep. Quand je bois contre ex, je pense à mon ex. Hop. Regardez-moi ça, en plus elle fait des tourbillons la Massi. Ma Massi SP4 en fait les gars. J'ai oublié de le préciser. En vrai si tu veux des pop, y a pas moyen. Hein. Faut Grémy, c'est Grémy or nothing. Grémy or nothing. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. Grémy or nothing. C'est un très bon film. Ah mais attends, ils peuvent s'auto-paralyser ou Ah oui, mais c'est vrai que Mashiro elle est immunisée. Ah là 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 là. Sacré ma chérie. Hop. Allez, un petit crowd control. C'est vrai que les personnages vont protectifier. Par contre, Massi, non, elle a pas de protection à la chaleur, elle. Hein. Ah non, ça n'existe pas chez Massi, malheureusement. Elle brûle la Massi. Au mieux brûler la Massi que brûler la Massif. Allez, on continue. Hop, le tourbillon. Et oui. On va aller. Alors, tac, Grémy. Un monde sans Grémy. Ah, j'ai galéré. Vous l'avez pas vu, les gars. Vous le verrez dans le... Dans le best... Ah oui, putain, c'est vrai. Il faut que je fasse le best-of, les invocations du mois d'août. Du mois de juillet, je veux dire. Aïe, trop de vidéos sur Bleach là, dès le début du mois. Mais c'est ça aussi le problème de Kelab. Il prépare tout ça, tout à moi, tu vois. T'as la fin du mois, hop, t'as le reset des shops, des machins, des trucs comme ça et tout. Et après, t'as plus rien pendant un mois. Hop, la nouvelle QDG, tout ça et tout. Hop là, après, tu peux dormir pendant un mois. Ah les gars, vous savez qu'un mois, c'est composé de 30 à 31 jours, hein. Bon, 28 ou 29 au mois de février, j'avoue. Mais quand même. Ah d'accord, c'est là, putain, c'est la room. This is the room. The room of the difficulty. Allez ma chérie, frappe-les dans les couilles. Dans les couilles cougnettes. Vas-y ma chérie. Oui, alors si je dis ma chérie, c'est pas pour voilà, obnubilation du perso. C'est juste que Mashiro, ma chérie, ça a un peu la même consonance les gars. Donc c'est pour ça. Mais j'aime bien Mashiro en vrai, elle me fait rigoler, elle me fait bien rire dans Bleach. En plus d'être super forte, elle fait rire. Donc j'aime bien en même temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre personnage féminin Bleach préféré. Hop. Aïe. Oh là là, c'est pas poké. Oh, aïe, dommage. Bon, bah, Massi, montre-nous que tu n'es plus à la rue. Ululu à la rue. Ululu. Putain, c'est vrai qu'elle est pas immunisée contre le feu. Massi brûle. Massi brûle. Oui. Mais Massi brûle. Ouais d'accord ok. Ils savent utiliser la teleportation. Incroyable. Ils savent se téléporter. Ils portent la télé. Les gars, ils portent la télé.
Mais c'est incroyable, ils sont immunisés aux vortexifications de la France, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est compliqué la Massy là, hein. On va se PSP. En vrai, ce qu'ils devraient faire, c'est de nous laisser au moins une bombe par perso, tu vois. Plutôt qu'une bombe pour... Ouais, d'accord, allez, laisse tomber. C'est pas Machiro, pas RP. Ouais, mais c'est dommage. Encore une vraie Machiro. J'aimerais bien une Machiro respectable. Une vraie. Mais après, tu vas me dire, sur Bleach Brave Soul, il y a plein de personnages féminins qui reviennent jamais, quoi. Je sais pas, par exemple, Jackie, pff, en saisonnier, on la voit jamais. Machiro, ils l'ont sorti pour la Saint-Valentin. Pff, on va voir s'ils vont nous faire dans d'autres thèmes. Bref, Massy... mauvaise idée. Donc, Massy P4, franchement pas fan. Hein. Donc, affinité Insta, donc il faut les dégâts x2 là, évidemment. J'avais pris qui? Ouais, ouais, non, mais il allait très bien en fait. La miche! Hop. Après, tu as Rumain, franchement, bon. J'ai sur le chat, c'est Harpenu qui m'a dit que Masaki Full Trans c'était pas ouf. A mon avis, elle. Franchement, si vous avez pas le personnage, le nouveau perso, je sais pas qui c'est. A mon avis, la meilleure solution. Bon, il est SP3 en même temps. Et il est SP2. La meilleure solution, vraiment, ça reste la mouche. En slot 2. Là, si vous, comme moi, vous avez pas le nouveau perso. D'accord, j'ai pas essayé. Donc la mouche. J'espère que vous l'avez la mouche. Les mouches, les mouches immondes. Non, c'est la Betty Bourdin en fait. Quand je vois mon ex, je sens mon sexe. Bon, alors attendez. Alors, la mouche. Ouais, donc on va dire la mouche, les gars. Il faudrait que je change ça. Slot 1, la mouche. Non, le slot 1, Masaki Saint-Valentin. En deuxième choix, je dirais. Après, ça va dépendre aussi de vos noms de doublons, tout ça, tout ça. En 2, la mouche. Et en 3, Grémy, ou après, c'est vrai que j'ai pas essayé les autres. Donc, pour moi, la meilleure compo alternative, je dirais que c'est celle-là. Après, ça va dépendre de votre nombre de doublons, tout ça, tout ça. Mais de toute façon, même sans doublon, le Grémy tout seul, il enlarge le trou des ennemis. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Encore une fois, pour le Grémy, là, vous avez d'autres solutions, les gars. Je vous avouerai que j'ai un peu la flemme de tester. J'ai un peu la flemme. J'avoue. Hop. Tac. Hop. Tueur au lot. Donc, voilà. Donc, en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait faire là-dedans? Il faudrait voir après ce que... Franchement, les personnages sur lesquels je doute, lui, peut-être qu'il peut encore se débrouiller, tu vois. Après, il faudrait voir comment on vieillit Roka et Unono Safui. Ces deux-là. Parce qu'après, bon, Komamura, je sais pas, je pense pas. Tac. Après, c'est des dades, tu vois. À mon avis, ça va manquer de dégâts là-dedans. Faudrait voir comment ils ont vieilli, ces persos. Bon, sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire avec quel compo vous êtes passé, jusqu'à quel étage vous êtes allé. Moi, je vais vous laisser là-dessus, tous les matins, entre 9h et midi, du lundi au vendredi, sur Twitch. Le lien est dans la description, peut-être, si j'ai pas oublié. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Les autres, n'hésitez pas à aller voir mes playlists. Hein, ce que je fais sur la chaîne, il n'y a pas que du BBS. Voilà, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Passez une bonne journée. Good luck à vous pour vos rooms. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. A bientôt sur le réseau.